Salut à tous, c'est Ingo, on se retrouve pour l'épisode 4 sur Stable Orbit. Alors, on est reparti avec notre petite station spatiale qui commence à être sympathique, ma foi. Je suis plutôt content. Ça marche plutôt bien, donc on va essayer de continuer sur cette lancée. Alors ici, par contre, va falloir que je prévoie une nouvelle section. Alors, est-ce que j'en rajoute un ? Je pense qu'un médium ça suffira pour le moment au cas où j'en ai besoin vraiment en urgence. Sur la bouffe, on va prévoir une upgrade ici. Ah, on peut les supprimer également si on le souhaite, d'accord. Je vais le prévoir aussi sur l'oxygène, au moins on sera tranquille. On va améliorer au max tout ça, tant qu'on a de l'argent. Alors, on a plein de nouveaux contrats. Alors, pourquoi celui-là n'est pas lancé? Tiens, c'est étrange ça. Peut-être par date. On peut pas les trier par... non. C'est bizarre, on dirait que ça a bugué ça. On va tous les prendre comme ceci. Je sais pas pourquoi celui-là ne se fait pas. Plutôt étrange ça. Bon, c'est pas très grave. On a notre nouvelle section ici qui s'est rajoutée. Très bien. Je vais même... Tiens, allez, on va pouvoir prévoir le small node. On va se le faire. Comme ça, on l'aura. Donc ça, c'est tout simplement une extension... pour notre station sur laquelle on va pouvoir ajouter d'autres sections comme on le voit ici et par lequel les astronautes peuvent passer tout simplement. Alors on avait dit qu'on se ferait peut-être une spécialisation ici du labo. Alors c'est parti, on va le spécialiser en technologie. Performing automatic station keeping boost. You have new research contracts. Oh là, on a plein de recherches. J'en ai pris un paquet là. Oh, spécialisation en physique. Et je viens de lancer une spécialisation, c'est pas grave. Du coup, la spécialisation. Ah, cela il rapporte pas mal. Hein. Oh là là, oui, d'accord. C'est tout des pour débloquer les modules, ça. Ok. Alors. Donc ça c'est pour débloquer les nouveaux habitats, panneaux solaires, labo avancé. Ok, on va prendre ça. Ensuite on va prendre ça, je pense que ça serait une bonne chose. Et pour tout ça, technologie niveau 2. Spécialisation éducation. Bon, j'espère que ça va aller assez vite. Donc on peut l'annuler si on le souhaite. On peut l'annuler si on le souhaite. Est-ce que quelqu'un travaille là-dedans? Là oui, et là non. Alors il a lancé ça d'abord, d'accord. Ok, pourquoi ils ne se font plus cela? Pourquoi ils ne se font plus ces contrats-là? C'est à cause de la spécialisation, pourtant celui-là n'est pas spécialisé, donc il ne devrait pas y avoir de problème. On va rester dessus de voir, parce que ça m'embête un petit peu ça. Ok, on a le ravitaillement qui arrive.
Ok, il est en train de me faire toutes les spécialisations en premier. Alors pourquoi pas? Technologie niveau 3, laboratoire spécialisation sur l'humain, ok. Donc là, il travaille que dans celui-là. J'ai l'impression qu'à partir du moment où j'ai spécialisé un laboratoire, ils ne vont plus que dans celui-là, en fait. C'est quand même embêtant. 23 décembre pour celui-là, c'est foutu. Donc ça, c'est général. Va peut-être falloir que je les spécialise tous, en fait, là. Alors, je vais lancer une spécialisation pour celui-là aussi. Tant pis. J'ai pas trop le choix, en fait. Il n'y a personne qui vient dedans. Ouais, voilà, maintenant j'ai plus de labo. Ouais. Alors, tant pis, je vais l'annuler celui-là. C'est bien ça, en général, il me faut un labo général. Tout ce qui est technologie, maintenant je ne peux plus les faire parce qu'elles sont niveau 2. Ok. Ça, on va l'accepter. Bon, il y a un labo qu'il faut pas spécialiser dans tous les cas. Comme ça, au moins, on le saura. Par contre, je comprends pas, en fait, pourquoi il ne bosse que dans un. Ils bossent que dans ce labo pour le moment. Ils peuvent pas se partager le temps, en fait, c'est bizarre. Ok. En fait, c'est tout simplement que... Ok, il y en a qu'un qui travaille à chaque fois en même temps. Il y en a un qui dort, un qui se repose et l'autre qui travaille. Il va nous falloir plus d'astronautes, en fait. Enfin, ça permet, en fait, d'en avoir trois, un cycle où ils travaillent tout le temps au moins. Ils font tout le temps des recherches. Par contre, pour avoir plusieurs recherches en même temps, il va nous falloir 5 astronautes. Ok. Je vais juste ralentir un petit peu. Alors on en est là. Donc ils vont être là-dessus, pas de problème. On a des contrats monstrueux là. Oh. Ces contrats-là rapportent tellement. Je vais prendre celui-là parce que les autres vont être très longs, je pense. En fait, j'aurais dû prendre celui-là. Je peux pas annuler. Dommage. Dommage, dommage. 10 janvier, celui-là, ça va être tendu, du coup. Tiens, il y en a un à 3 milliards 3, quoi. C'est monstrueux, un 2 milliards. Sur la chaleur, ça fait un moment que je regarde pas. Il n'y a pas d'alerte, mais on est limite quand même, je pense. Il va falloir faire attention. Alors, je vais rester là-dessus juste pour voir comment ça évolue. Sur la date. Celui-là, 10 janvier, c'est foutu.
Par contre, celui-là, si on peut commencer avant le 16. Ça va être chaud. Ça va être chaud, je pense. Research complete. C'est dommage que ça soit pas trié par date, par contre, sur les expirations des contrats. Ça aurait pu être pas mal. Alors, on est le 6. Celui-là, il passe pas. Celui-là, il peut passer. Celui-là, il peut passer. J'ai pris le gros, là, on verra. On verra ce que ça donne. Hop, on va faire ça. Du coup, par contre, ça va nous permettre d'améliorer notre station, là, clairement. Ce qui va se passer, c'est qu'on va faire un... Est-ce que j'ai de quoi accueillir d'autres astronautes, là? Sur la chaleur, on risque d'être juste. Hein. Va peut-être falloir prévoir des batteries un petit peu ici. On va mettre un autre radiateur. Parce que là, on est franchement limite, en fait. 83%, ça monte, c'est un peu chaud. On va faire attention, surtout si on rajoute des modules. Allez, on va se rajouter un habitat, on va voir. On va voir ce que ça dit. J'espère que ça va le faire. On va upgrade ça, on a des thunes, on les dépense. Alors sur la recherche, 16 janvier, ah je vais pas l'avoir celui-là, c'est mort. Dommage. Ils vont pas avoir le temps de le terminer clairement avant. J'avais une alerte, alors qu'est-ce que c'est? Oh! J'ai un membre qui est parti. Par le manque d'oxygène, pardon. Ah, il y avait quand même de l'oxygène là. Ok, mauvaise nouvelle. Mauvaise nouvelle, après on a un deuxième module d'habitat. Donc on devrait récupérer deux gars. Peut-être trois. Je sais pas combien ils arrivent dans les capsules. Alors s'il y a eu un problème d'oxygène ici, il va falloir faire attention. Oh là. Qu'est-ce qui se passe? Attitude. Non, attendez, je suis pas en mode... Altitude dangereuse, d'accord, mais moi je pilote pas la station. Station altitude is dangerously low. Station altitude is dangerously low. Station keeping is now under your control, commander. Bah non, je veux pas la piloter moi-même. De toute façon, je peux pas, j'ai pas le module. Qu'est-ce qui se passe là? Je comprends pas ce qui se passe. Pourquoi ma station perd l'altitude là en fait? Alors, on va juste regarder les contrats un petit peu avant, pas en louper. Le 29, celui-là il va passer.
Ouais, mais pourquoi mon altitude baisse en fait? Moi, j'y peux rien à ça. Si? Ah, attendez. Est-ce qu'on peut rajouter quelque chose pour ça? Et ça me sert à quoi? Ça me sert pas pour ça. Structure, non. Ah, il y a. Ok, dans les gros labos, ils peuvent travailler à deux, d'accord. Habitat. Écoutez, je vais mettre ça, on va voir. Peut-être qu'on a besoin de ce truc. Ah, parce que là, si on descend trop bas, c'est foutu. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc là, si je la mets en boost... Donc là, j'arrive à la faire remonter. Donc là, je l'ai mis en auto. Je fais boost et ça la... D'accord. Faut que je la remonte à 400 km. Sinon, on est mort, quoi. Ok, on a 4 gars qui sont arrivés. 2 gars du coup, on a 4 astronautes. Va bien falloir vérifier les restes. En espérant que j'arrive à remonter la station là. Ça commence à me faire peur un peu là. Je pensais pas avoir besoin de m'occuper de ce truc là maintenant. Faut absolument la remonter à 400 km plus. Bon, du repas, ok, l'eau c'est bon. Va juste faire... Ouais, c'est l'oxygène là. Il faut que je m'occupe d'oxygène absolument. C'est trop cher, je avance. Ouais, ok. Alors attendez, peut-être que je peux en prendre d'autres en même temps. 14 février, celle-ci je l'aurai jamais. Ça peut passer. On va faire ça comme ça. En fait, ça, ouais, je suis en train de la faire remonter là, mais je comprends pas pourquoi d'un coup elle s'est mise à chuter. Bon, c'est pas très grave, mais ça fait peur quand même. Ok, on est à 400 km. Bon, on va pas la remonter trop non plus pour qu'elle sorte de l'orbite terrestre, mais ok, on repasse en mode auto. Ouais, elle need... ah, d'accord, elle avait besoin de boost pour se maintenir. Ok, c'est bon. C'est bon là, ça remonte tout seul. Ok, c'est bon. Ouh, heureusement qu'on avait ça du coup, parce que sinon on était mort. Ok, bon. Bon voilà, on aura vu le pilotage de la station. Au final, c'est basique, mais de toute façon, ça se pilote pas comme un avion clairement. Mais c'est heureusement qu'on a pu le faire. Sinon, on était mort. Hein. Bon, dans tous les cas, on a un problème au niveau
Alors les batteries on en a mis, ça c'est pas un souci. Ok. Au niveau du stockage d'oxygène, donc je vais en rajouter. 2 semaines, ça me paraît très peu. On a notre 5e gars qui est arrivé, ça, ça fait plaisir. Ça, ça fait vraiment plaisir. Alors, celui-là, c'est le module général de la... Enfin, c'est le laboratoire... Non, c'est le spécialisé sur la Terre et l'espace. Science, d'accord. Terre-espace. Technologie. Physique, science physique, ça sera pour le prochain, ça je pense. Alors où est-ce qu'on est là un petit peu? En plein Pacifique après la petite panique. Il y a intérêt à bien vérifier ça. Heureusement qu'on a eu l'alerte parce que je l'aurais pas vu sinon je pense. Sur la chaleur, aucun souci. Aucun souci à ce niveau-là. Le module, là, les labos, ça coûte un peu cher quand même encore. Va falloir bosser. Va falloir bosser. Va falloir que j'arrête là aussi l'épisode. Ok, 1, 2. Le troisième entre en fonction que quand on expose au soleil. Même pas. Tant mieux. Au moins, il est prévu s'il y en a besoin que j'oublie. Au moins on l'a. Donc ça, ça déjà c'est un soulagement. Enfin un soulagement. Ça nous permettra d'éviter des petits fails. Alors, il marche pas tout le temps lui en fait. Hein. Va peut-être falloir que j'ajoute un petit panneau solaire là en fait. On va le faire pour conclure. On va rajouter un FAT. C'est parti. Et dès qu'il sera fait, on pourra s'arrêter là. Alors là, on a la recherche qui va bientôt être finie. On va récupérer 2,7 milliards. Ce qui fait extrêmement plaisir. Et dans le prochain épisode, on pourra se prévoir le module. Module laboratoire, plutôt. Ça paraît plus juste comme ça. Alors, ici. On va en mettre 2. Ça, il n'y aura pas de problème. Sur les stockages de bouffe, ici, on est à fond. Excellent. On a notre nouveau panneau solaire. Du coup, lui, il devrait fonctionner en permanence, je pense, quand même. Ou alors, c'est juste que c'est plein. Bon, en tout cas, on a vraiment besoin de stockage. Hein. Quand on a 5 astronautes, là, va falloir faire attention. Ok. Je vais mettre en pause, du coup on va s'arrêter là pour l'épisode 4. Ça se passe plutôt bien, on va s'arrêter avec une belle image en plus ici. Qui mérite un petit imprimé écran. Le jeu est franchement cool, hein. je me prends dedans. Enfin je fais des épisodes de 20 minutes mais je vois pas le temps passer. Ça me plaît bien en tout cas. On a échappé à la catastrophe avec une chute de la station mais grâce au module ici. On a pu tenir le coup. Alors j'ai l'impression qu'on peut... Alors qu'est-ce que c'est que ça? D'accord, si je veux, je peux relier des choses ici. À ce module-là, qui nous permet, qui nous a en fait sauvé la vie. Ça permet en fait de la contrôler, mais ça permet aussi de faire des choses dessus. Peut-être en rajouter un deuxième, alors je sais pas comment ça fonctionne après. Ça dépend peut-être aussi du poids de la station. En fonction des éléments qu'on a, mais bon. Dans tous les cas, c'est ce petit gars qui nous a sauvés ici. Très clairement. Voilà, on a fait un peu plus long sur cet épisode. On se quitte ici pour l'épisode 4 et je vous dis à très vite pour l'épisode 5. Salut à tous!